Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 29 décembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé entièreté. Alors, entièreté, c'est vous rappeler que vous vous sentirez beaucoup mieux si vous êtes entier ou si vous êtes entière et accepter qui vous êtes. Petite question, acceptez-vous qui vous êtes? Être entier, c'est prendre conscience de soi, évidemment, dans son intégralité. C'est être dans l'acceptation de soi. Être une seule et même personne avec, eh bien, avec nos failles, nos peurs, nos erreurs, nos qualités, nos défauts. Alors le conseil essentiel, eh bien, de cette carte est d'arrêter d'attendre quelque chose, un moment, une personne qui ne viendra peut-être jamais. De se focaliser sur un défaut qui ne sera peut-être jamais corrigé. Alors, vous êtes-vous entier, imparfait? Nous le sommes tous, n'est-ce pas? Être dans l'entièreté, eh bien, cela permet d'être positif, d'avoir davantage confiance en soi, de soulager les migraines, d'évacuer le stress qui nous ronge, de retrouver de l'énergie, d'être serein et surtout, surtout, de lâcher prise, d'accepter la vie et de moins lui résister. Plus vous résisterez, plus cela sera difficile. Pas facile l'entièreté, n'est-ce pas? Alors, petit rituel, vous vous tenez debout et ancrez bien votre corps dans le sol. Pied à plat, vraiment. Soit à pied nu ou pantoufles, mais pas de talons. Et tenez les bras le long de votre corps. Vous êtes bien positionné. Bien. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et concentrez-vous sur votre corps tout entier. Bien. Répétez plusieurs fois. Je suis entier, je suis complet. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour me sentir bien. Je suis entier. Je suis complet. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour me sentir bien. Une dernière fois.
Je suis entier, je suis complet, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour me sentir bien. Lorsque vous le sentirez, vous pouvez ouvrir les yeux. Bien. Alors cette méditation, elle vous permettra de développer sérénité, confiance en vous et sentiment de sécurité. Faites ça tous les jours. Ça prend quelques minutes par jour. Mais faites-le. Vous savez que tout passe dans les mots, tout passe dans les pensées. Allez, on termine avec l'oracle de l'évolution. Alors, oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse. C'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le ou la leader qui est en toi. Très beau message pour terminer. Je vous souhaite une toute belle journée dans l'amour inconditionnel. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tout fort. À demain. Thank you.